a mis de la masse et des fentes, enfin des fentes, l'exercice. Il y a une machine dont je t'ai déjà parlé, donc c'est celle-là, l'Icarian Precor machine à fente, très très rare, parce que bah, quand on dit très très rare, c'est que c'était une catastrophe commerciale, donc ils n'en ont pas sorti beaucoup, et donc il y en a très peu sur le marché, et comme il y en a très peu sur le marché, maintenant tout le monde en veut, et donc il n'y en a plus. Donc, et tu verras, là, on a vu au Fibo une copie de chez Watson. Alors, ils se sont pas fait chier. Ah, quand on dit copie, ils ont copié, les mecs. Ils auraient peut-être pu améliorer les trucs, etc. Mais ah non, ils ont copié, là. Donc, genre, c'est assez facile d'améliorer le truc, mais ils ont vraiment copié. Alors, ça a un avantage, c'est que ça remet sur le marché une machine qui était probablement bien pour les gyms commerciaux, parce qu'il y a plein de femmes et d'hommes qui font des fentes, et ça te permet de faire des fentes sur place mieux que les fentes où tu sais, tu vois les mecs qui avancent, etc., ça te nique les genoux, voire le dos. Là, c'est le mouvement est plus fluide, beaucoup moins traumatisant pour les articulations, tout en étant aussi efficace, voire beaucoup plus pour les muscles. Donc, c'est tout bénéfice pour l'utilisateur. Comme j'ai dit et comme je dis dans la vidéo, si tu es en home gym, c'est tout à fait une machine dont tu peux te passer. Tu t'achètes la méthode de la V1 pour 25-27 euros et je t'explique comment avoir l'équivalent de cette machine pour allez, 5-6 euros de matériel et ça prend pas de place en home gym. Donc voilà, je voulais te la montrer. Donc Icarian. Alors moi je dis toujours que c'est une Icarian, c'est Icarian Precor, pour être exact. Et tu verras, elle est exactement comme. Ou Precor, Precor Icarian. Lunge 625. Plate Loaded Exercise Machine, tu vois. Ah ben, enfin là, 125 euros, je pense que ça doit être des enchères, mais. Moi, j'ai pris la première photo que j'ai trouvée qui était à peu près potable. Pour te montrer la machine. Et donc tu vas voir la vidéo, une copie tout à fait fidèle. Donc la fameuse machine à fente qui est la copie du Icarian. Dans l'absolu, c'est bien, mais suffit d'avoir un patin de déménagement et tu te passes de la machine. Alors évidemment, tu es beaucoup plus stable, c'est plus facile de mettre lourd, mais sauf si tu es koweïtien, que tu as un building à remplir et du fric, pour toi, c'est l'équivalent de 10 centimes d'euros. Sinon, pour ton home gym, tu peux t'en passer.